Good morning, allez, Yiden, et ce sera aujourd'hui le Nishmat avant Mordechai ben Yitzhak Vefani et Dvorah Batester. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la Sainte Communauté Éternelle. Nous étions en Sechet Yvamot Perektet, Mishnah Gimel, Shniyot, Midire Sofrim, Shniya la Baal, Velo Shniya la Yavam, Asura la Baal, ou Moteret la Yavam, Shniya la Yavam, Velo Shniya la Baal, Asura la Yavam, ou Moteret la Baal, Shniya les Evleze, Asura les Evleze. En la Loktuba, Velo Perot, Velo Mezonot, Velo Blaot, Velo Kacher, Velo Kofim Oto, Le Hotsi. Almana le Kohen Gadol, Grusha Vachalutza le Kohen Ediot, Mamzeret ou Netinan Israël, Bat Israël le Netinan Mamzer, Yesh la Hin Ktuba. On continue à s'intéresser dans le Mishnah à celui qui a marié une femme interdite, soit pour lui, ou soit à son frère le Yavam. C'est-à-dire, il y a plusieurs situations, comme ça on a déjà vu dans la Mishnah précédente, où il va se marier avec une femme que, par exemple, cette femme-là, elle lui est interdite. Mais. Quand, s'il meurt sans enfant, elle est permise à son frère. On avait dit, selon le principe, ben son frère devra faire la misa de Yiboum. Il pourra faire la misa de Yiboum, même si chez le frère défunt, elle était interdite. Donc en théorie, il ne pouvait pas construire une maison avec elle. Ouais, Asher Levenet Bet Achiv. Son frère, de toute façon, il ne pouvait pas construire. Mais non, malgré tout, on va dire que non, c'est permis, étant donné que finalement, cette femme, elle est permise à son frère. Et inversement, si elle était permise au défunt, mais elle est interdite au frère, et ben le frère ne pourra pas faire la misa de Yiboum. Et c'est un interdit. Deux, il ne pourra pas faire le hiboum. Et un nouveau cas qu'on va voir dans notre Mishnah, dans la première partie de la Mishnah, c'est les Shniyot Midire Sofrim. Vous rappelez c'est quoi Shniyot Midire Sofrim? À part toutes les relations, tous les rapports, les liens familiaux d'inceste que la Torah précise, ma sœur, ma belle-sœur, ma mère, ma belle-mère, ma belle-fille, tu vois, toutes sortes de situations comme ça, il y en a. On les avait évoqués dans l'un. À part ça, il y en a qui sont interdites midérabanan. Il faut savoir que, par exemple, ma grand-mère maternelle, elle m'est permise, selon la Torah. Mais Chachamim l'ont interdite à cause de ma grand-mère paternelle, par exemple. D'accord? Il y a comme ça toutes sortes de relations d'inceste qui sont délicates, que... Il y a aussi des situations avec certaines... la femme du frère de la mère... la femme du frère de la mère, je crois que, ouais, la femme du frère de la mère, elle interdit que nous revenons, je les ai plus en tête tout de suite, mais en tout cas, ça se trouvait tout ça dans le Perek Bet, dans Yevamot d'Afraf, dans Perek Bet, là-bas, on explicitait quelles étaient les chniotes. Si on se retrouve avec une situation de chnia comme ça, en l'occurrence, il y a deux frères, Reuven et Shimon, qui sont les deux enfants de Yaakov, mais Yaakov, il a eu deux femmes, on va faire mieux. Il y a Reuven et Yosef qui sont les deux enfants de Yaakov. Mais Reuven, il a une mère qui s'appelait Léa. Et Shimon, il a une mère qui s'appelait Rachel. Et Yosef a une mère qui s'appelait Rachel. Donc c'est deux femmes différentes. Elles n'étaient pas sœurs. Ouais. Et maintenant, un, il s'est marié avec la grand-mère de l'autre. Ou, inversement, avec sa propre grand-mère. Et elle tombe devant son frère. Donc on va se retrouver, par exemple, on va prendre la grand-mère maternelle de Reuven, la mère de Léa. Elle est permise, elle, à Shimon, parce que c'est pas sa grand-mère à lui. Donc, maintenant, si... Alors maintenant, selon le cas, soit Reuven, il s'est marié avec elle, donc là, il s'est marié avec sa grand-mère, et après Reuven, il meurt, Shimon devrait faire le hiboum à sa belle-sœur, parce que pour lui, elle était pas interdite. Mais si c'est inversement, c'est Shimon qui s'est marié avec elle, il a le droit de se marier avec elle, eh bien, il y a qui meurt, Reuven, il pourra faire le hiboum à elle, il devrait le faire à la Khalitza. Et si, toutefois, ils étaient tous les deux frères de père et de mère, et qu'il y en a qui s'est marié avec l'autre, il ne pourra pas faire la mitzvah, d'accord? C'est évident. Ben, c'est ce que la Mishnah nous dit, on traduit tout ça, c'est la première partie. Shniyot midir sofim. Une femme qui est shniya midir sofim, c'est-à-dire interdit de shniya, le deuxième niveau de relation d'inceste. Shniya la baal, velo shniya la yavam. Si elle est shniya, elle a un degré de famille pour le mari, elle est shniya pour le mari, velo shniya la yavam, elle n'est pas shniya pour le yavam. Alors dans ce cas-là, elle est assurée à la Baal, mais au moment de la Yavam, elle est interdite au mari, à son mari, au défunt, et elle sera permise pour le Yavam. Inversement, Shnia la Yavam, ou le Shnia la Baal, si elle était Shnia pour le Yavam, mais qu'elle est permise au mari, au défunt, eh bien assurée à la Yavam, au moment de la Baal, elle est interdite au Yavam, elle est permise au mari. Shnia les Elezé, assurée les Elezé, si elle a un Shnia pour les. Elle a un même niveau de relation de Shnia pour les deux, eh bien elle sera interdite pour les deux. Chose évidente. Si déjà on a parlé maintenant de quelqu'un qui se marie avec une femme qui lui est interdite, là maintenant on va s'intéresser dans la deuxième partie de la Mishnah aux engagements du mari qui se marie avec une femme
qui ne lui est pas permise. On explique un petit peu mieux, une petite introduction de Maseret Ketubot très rapidement, mais qu'après on va voir dans deux situations. Un homme, lorsqu'un homme il se marie, il a l'obligation de nourrir sa femme. Il y a des engagements et il y a des avantages. Ça dépend avec qui on est tombé. Et il y a des engagements du mari à sa femme, et il y a aussi, il est obligé de lui faire des choses, mais il a aussi des droits qu'il va recevoir grâce à sa femme. Et ça fonctionne, c'est assez long dans Ketubot, on parle de plusieurs choses, on va les découvrir longuement, notamment le mari, il doit, on va parler des engagements, le mari il doit nourrir sa femme, il doit guérir sa femme. Imaginez, il y a une femme qui lui coûte 1 million pour la guérir. Et maintenant, il préfère la divorcer qu'elle se débrouille toute seule avec sa grand-mère, je sais pas. Ouais, est-ce qu'il peut la divorcer? Il a des engagements. Il a aussi quelque chose qui était fréquent, plus fréquent à l'époque qu'à notre époque. Jamais la femme, c'était de se faire prendre en captivité. C'était des choses qui étaient assez fréquentes. Parce que c'est dans les mœurs de l'époque, si je devais de l'argent à quelqu'un et que je commence à traîner, ça existait qu'il me kidnappe ma femme. Et après, donc, il y avait le Riouf Pirkouna, ça s'appelle l'Ifrokota, comme on dit dans les Slichot. Parik, l'Ifrok. Proc, c'est délivré, j'ai l'obligation d'aller racheter sa femme. Il a l'obligation d'enterrer sa femme. Ouais, si sa femme elle décède, il a l'obligation de partir payer, même si ça coûte 120 000 shekels d'acheter un 4 amotes pour finir jusqu'à la venue du machinard, et ben il doit le payer. Ça, c'est les engagements. Et à part ça, toutes sortes d'avantages. C'est. Ah, à part ça, un engagement, s'il a divorce, de le payer 100, 200. Il y a encore toutes sortes d'engagements, on ne va pas entrer dans tous les détails. Il y a aussi quand même des avantages. C'est que si sa femme reçoit un héritage, alors d'abord, premièrement, quand sa femme elle décède, il l'hérite. Même quand sa femme elle décède pas, les biens ils vont appartenir à sa femme. Mais c'est lui qui va toucher les dividendes tant qu'ils sont mariés. Quand sa femme elle travaille, c'est lui qui gagne de l'argent, il doit passer de donner l'argent à son mari, ça appartient au mari. Et il y a encore toutes sortes comme ça de désavantages et des inconvénients. Ça, c'est les Tnaïm de Ketouba. Pire que ça, pour chaque engagement, les Chachamim, ils ont instauré aussi un avantage. Genre, parce que je dois la nourrir, alors c'est à cause de ça que je vais recevoir ce qu'elle gagne. Et parce que, d'accord, il y a des rapports, hein, des corrélations, des parallèles entre chacun. Parce qu'on a imposé ça, alors on va te donner ça. D'accord? C'est comme ça que ça a été instauré. C'est dans la Ketouba. Ça, c'est de manière générale. On ne va pas rentrer dans tout ça aujourd'hui, mais on en a besoin pour comprendre quelques petits détails qu'on voit dans la Mishnah. Notamment, tout d'abord, quand un homme divorce sa femme, il doit lui rendre la Ketouba. Ouais. À part ça, un homme, il a le droit de manger les pérotes de sa femme, c'est-à-dire de tirer profit des biens de sa femme. Comme on a dit. Imaginez qu'elle touche un héritage. Elle a une maison à Herzliya. Elle gagne de ça 8000 shekels de location par mois. Et bien, les 8000 shekels, c'est le mari qui les perçoit tant qu'elle est mariée avec elle. D'accord? Il y a encore autre chose à part ça. La femme, elle a fait entrer encore toutes sortes de choses. Quand elle s'est mariée, elle avait une voiture. Elle a fait entrer ça dans la voiture. Le mari va l'utiliser. Il a le droit de l'utiliser. Quand il a divorce, il doit maintenant rembourser la différence de valeur qu'il y a eu à cause de l'usure. Toutes sortes de calculs de nouveau. La Mishnah, maintenant, elle va nous parler maintenant de... Donc, on a dit les trois choses. Et la Mishnah, elle va maintenant me parler, elle va me dire, tu sais... Lorsque tu te maries avec une femme qui ne t'est pas permise, en l'occurrence, la chnia qu'on vient d'évoquer, un gars s'est marié avec sa grand-mère. Il s'est marié avec sa grand-mère. Et bien, Chachamim, on a assuré que cette femme, elle n'aura pas de Ketouba. En la lo Ketouba, velo perot, velo mezonot, velo blaot. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'a pas de Ketouba, ça veut dire que quand il la divorce, il ne doit rien lui payer. Velo perot. Si maintenant la grand-mère avait des biens, quand il était marié avec elle, il a pris, on a dit, il a perçu, c'est lui qui a perçu pendant 2 ans, c'est lui qui a perçu les 8000 shekels de Sriout. Imaginez combien d'argent ça fait. Ça fait une grosse somme, 96 000 shekels à l'année. Après 2 ans, il a divorce. Est-ce qu'il doit lui rembourser les 200 000? Non. Mais il n'avait pas le droit de les percevoir pendant qu'il était marié avec elle. Et malgré tout, Rami nous ont dit, tu la divorces et tu lui rends rien. Ça vous apprendra à vous marier de manière interdite. Vélo maisonnot pendant qu'il est marié. Si il est parti en route à l'arrêt pendant 6 mois, il a laissé sa femme sans manger. En temps normal, quelqu'un qui va venir, quand il voit une femme comme ça qui veut venir, qui veut le payer, avec l'intention que son mari, qui prête à la femme, c'est compliqué, faut pas faire. Ouais, il va prêter à la femme pour que la femme puisse se nourrir, parce que la pauvre elle se retrouve sans argent, et son mari il est parti en route à l'arrêt. Quelqu'un il va prêter à la femme, et comme ça, normalement, quand le mari rentre, il doit lui rendre.
Ouais. Eh ben, si la femme elle a emprunté pour manger, quand le mari revient, il n'a pas l'obligation de rembourser. Parce que le mari, il a pas de... ce mari-là qui se marie avec une femme interdite, il n'a pas d'obligation de nourrir sa femme, tout simplement. Donc si elle emprunte pour manger, ben, il ne peut pas rentrer. Vélo blaote et l'usure. Ça, c'est ce qu'on expliquait avec la voiture qu'il a usée en l'utilisant. Normalement, quand il dit à sa femme, il doit rembourser. Et je ne rentre pas dans trop de détails, c'est compliqué, ça touche à plein de l'autre. Mais en tout cas, il y a certaines choses qu'il utilise qui, en théorie, devait rembourser. Ramion, on dit, tu l'as divorcé sans divorcer. De manière à ce que le principe de tout ça, il est que tous ces engagements, ils ont pour but que c'est pas avec n'importe quel petit coup de colère qu'on claque la porte. Vous êtes bien engagé, c'est très compliqué de divorcer, c'est trop comme ça. Débrouillez-vous. C'est pour ça que Ramion, on instaure l'acte. Shelote kala be'enav le'otzia. Qu'elle soit pas facile à mettre dehors. C'est pour ça que Rami nous en sort avec toi. Mais quand tu es marié avec une femme, que tu n'as pas le droit de te marier avec elle, eh ben on va justement on va faire tout le contraire. On va rien que vous motiver à ce que ça ne vaille pas le coup de rester marié. De manière à ce que tu ne vas rien récupérer, aucun dividende, aucun truc. Tu n'as aucun engagement. Aucun... Comme ça, là, ouais. Comme ça, y a pas de. Ils ont pas d'engagement, comme ça, ils vont vite divorcer. Mais malgré tout, la Vlad Kacher. L'enfant qui va naître de cette union, qui se marie avec sa grand-mère, ben figurez-vous. Qui va avoir un tonton qui est son fils, et c'est permis. Ouais, il peut se marier avec sa grand-mère, selon la Torah. Le Vlad qui va naître, eh ben, c'est un enfant permis. D'accord? C'est un enfant qui est cachère, il n'est pas mémisère du tout, parce qu'il doit se marier avec elle. Et ensuite, les kofin oto les hotsi. Et on le force à la divorcer. Ouais, mais on le force à divorcer. Je sais pas ce que ça veut dire exactement précisément, comment on le force, ça veut dire quoi? Avec des coups, j'imagine, sûrement avec des coups de bâton, je sais pas exactement. D'accord? C'est pas tellement précisé. De toute façon, on rentre dans un petit détail plus précis, que c'est plus par rapport... Ouais? C'est pas le pas grand fond. D'accord, on le force à divorcer. Ça, c'est lorsqu'il s'est marié avec une chenille. C'est-à-dire, je répète, c'est une inceste qui n'est interdite que Midera Banane. Et en fait, si je vous explique, vous allez avoir entendu la suite, pas... Non, on va lire, après on va les comparer. Par contre, Almana le Kohen Gadol, si c'est une veuve qui se marie avec un Kohen Gadol alors qu'il n'avait pas le droit, Groucha ve Chalutza le Kohen Idiot, ou bien une Groucha, une divorcée, ou une Chalutza, une femme qui a fait la Chalutza, à un Kohen Idiot. Mamzeret ou Netina le Israël, une Mamzeret, ou une Netina qui se marie avec un Ben Israël, une bâtarde, ou une Netina qui appartient au peuple des Netinim, comme on évoquait plus haut, ou encore même Bat Israël et Netina Mamzer, ou une fille de bonne famille qui s'est mariée avec un Mamzer, avec un bâtard, il n'avait pas le droit de se marier. Eh bien, figurez-vous, dans toutes ces situations, yesh len ktouba. Elles auront une ktouba au moment où il devra la divorcer. Pas tous les engagements, mais une certaine, il y a certaines choses, c'est-à-dire, le mari... D'abord, on va faire un petit peu de clair. On parle de deux situations, on s'est marié avec une femme, on a le droit de se marier. Soit je me marie avec ma grand-mère, soit je me marie avec une mamzerette. Les deux, elles sont interdites. Eh bien, on va être beaucoup plus mahmir face au mariage de ma grand-mère, qui n'est que midera banane. On va mettre moins strict avec le mariage avec la mamzeret que quand même je devrais lui payer la ktouba. Maintenant, même si je devais lui payer la ktouba, je ne suis pas engagé à la nourrir. Parce que malgré tout, on a envie que certains engagements, ils vont pas... Mais malgré tout, le jour où je la divorce, c'est-à-dire tant qu'on reste marié, les engagements qui m'engagent face à ma femme, ils ne sont pas envers elle. Mais au moment où je la divorce, les engagements que j'ai en face à ma divorcée, je les ai aussi envers elle, envers la mamzeret, ou envers la manel et Kohen Gadol. Mais par contre, face à la chenilla, celle qui est interdite que par inceste, comme il dira banane, eh ben, j'ai rien du tout envers elle. En fait, Rachami, ils ont fait ce qu'on appelle Asurhizouk le Divrem. Ils ont été plus stricts, plus rigoureux face à la femme qui est interdite que Midera banane, plus que la femme qui est interdite par la Torah. Par la Torah, alors Rachami, ils ont dit, bon, on va vous pousser à divorcer, mais malgré tout, ce que tu t'es engagé, tu devras couvrir. Si tu as usé ces trucs, tu devras rembourser la différence. Il n'y a pas de raison d'avoir peu de manger. C'est pas parce que quelqu'un a fait une avéra hein, que malgré tout, on va se mettre à lui voler son argent, vous avez compris. Si je me suis engagé au moment où je me suis marié, j'ai écrit une ktouba, je me suis engagé à lui donner le jour où je la divorce, que je dois lui donner 100 000. Si j'ai écrit ça à une mamzeret, eh ben je me suis engagé, je dois lui donner. Ça, c'est quand je la divorce. Quand je suis marié avec elle, je ne suis pas engagé, parce que Rami, ils ont dit non, on ne veut pas que vous ayez un rapport de mari normal. On veut que vous ayez une vie mauvaise entre vous. Mais le jour où tu la divorces, tu dois payer ce que tu t'engages à payer. Ça, c'est quand tu te maries avec une femme qui n'a pas le droit. Mais lorsque tu te maries avec une chenilla, avec une ancêtre, là, Khamim, ils ont renforcé, ils ont dit non, rien du tout, rien du tout. Tous les engagements, ils annulent. Khamim, ils ont fait chizouk les divrem, ils ont renforcé leur décret de manière à ce que les gens, vous savez, quand les gens leur dit que c'est interdit par la Torah, ils disent ah là là,
Mais quand on leur dit que c'est interdit de venir à Rabbanan, ils vont dire, oh, des Rabbanan, 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 c'est permis. Alors pour ne pas qu'on ait une décision pareille, qu'on va être plus la main en neige pour permettre des interdits mis des Rabbanan, Rabbanan, on renforçait les interdits mis des Rabbanan en étant encore plus rigoureux que ceux de la Torah. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov Tzar.